Bonjour et bienvenue dans le 9e épisode de ce Let's Play sur Lego le Hobbit. Alors je vous avais laissé en pleine petite énigme, hein, donc je vous retrouve au moment de la... enfin pour la résoudre. Donc à tout de suite. Donc je vous retrouve dans le bois du troll, là où on doit résoudre une énigme. Alors j'ai une petite idée. Je vais mettre en rouge ici. En vert ici. En rouge ici. En vert là. Ben voilà, c'est bien ce qui me semblait. L'autre doit être en bleu. Oui, je confirme, l'autre était en bleu. Bon, finalement, j'ai trouvé... je n'ai pas triché, hein. Bon, je pense que ça se verrait si je trichais. Il y a d'autres trucs que j'ai raté, où j'aurais pu chercher la solution. Remarquez, je sais pas s'il y a beaucoup de solutions de ce jeu-là sur Internet, pour le moment. Je ne cherche des solutions que si je suis bloqué et que je ne peux pas avancer. Pardon. Alors, les planches. Oui. J'en ai aussi. C'est pas ça. Ça. Et ça. Donc on va voir un petit peu asile. Construction rapide. Alors, ça, ça. Le cube, c'est en bas. C'est le machin vert. Attends. Tu attends, Brennus. Je suis occupé là. Mets-toi assis, mon pépère. Ah, je vois pas là. Ah, une clé. Oui, parce qu'il y a mon chien qui est venu me demander. Allez, tiens, mon bonhomme. Son biscuit. Fait la coopération, je trouve. Alors c'est pas évident, mais je pense que je paye principalement de jouer au clavier. Ça me pose de vrais problèmes. J'ai encore essayé, hein, mais impossible de faire de mettre ma manette. Le sage Gandalf se trompe rarement, et comme il l'avait prévu, la compagnie finit par découvrir le butin des trolls. Dans cette cache secrète, recelant des biens volés à des voyageurs imprudents ou à des convois attaqués, quelle merveille nos aventuriers allaient-ils découvrir ? Bon, ben, dans la partie, dans les quelques, dans la minute qui vient de s'écouler, il y avait de la musique, hein, donc
normalement, je l'ai supprimé. Je dis normalement parce que c'est de la post-production, on va dire. Alors. Et. Il est possible d'oublier aussi. J'ai beau regarder les vidéos, des fois c'est pas naturel pour moi de supprimer du son. Bon, je vais changer parce que il m'agace. Non, c'est pas celui-là que je veux. Ah oui, c'est ici. Là. Une pièce. Avec son bâton. Asseyez machin sur une couverture de pique-nique Lego et nourrissez-le de butin comestible afin de créer une plateforme rebondissante. Okay. Mais j'ai des trucs à faire encore ici. Tape facilement leur pote, hein. Ah, sauve-toi, sauve-toi. Non. Comment on va là-haut? Il n'y a rien pour s'accrocher. Ah, il y a un... Oh, attendez. Il me faut un avec un marteau. J'ai celui-là. Comment je vais atteindre là-haut? Pourquoi je peux pas le casser ça? Ouais, donc maintenant il n'indique plus quand il peut faire quelque chose. Ça ne me gêne pas. Ça rend les choses plus dures, mais ça ne me gêne pas outre mesure parce que c'est ce que je préfère. Là il y a un. Là, machin à trouver là-dedans. Allez. Il y a un truc là. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette... Ces épées n'ont pas été forgées par des trolls. Non. Elles n'ont été faites par aucun forgeron parmi les hommes. Par les elles elfes. Ont été forgées à Gondolin, par les hauts elfes du premier âge. Bon, si on arrivait. Ah, poussez-vous, ils sont tous là à me gêner. Bon, je change.
Voilà, poussez-vous un peu, j'arrive. Parce que je peux toujours pas le péter, ça. Non. Ah, sauvez-vous! Où est-ce qu'il pourrait y avoir un passage ici? Je vois, merde, c'est pas toi. Je peux faire. Ah, celui avec l'appel, non? Oui. Ah, d'accord, voilà. Attends. Nourrissez. Bon, alors. Ça. Les poissons. Ça. À force, on finit par y arriver. Non, mais... Ah oui, d'accord. Je pensais que j'avais un truc à ramasser. Ça, à mon avis, il me faut un autre. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. On peut s'accrocher. Voilà, ça c'est mieux. C'est pas lui qu'il faut. D'accord. Pardon. Associez-vous, je pense. Il nous faut résoudre ce truc ici. Malheureusement, je ne vois rien. On a rien ici. Hein. Est-ce que... Ah là! Là, il n'y a pas quelque chose. Où il est celui avec sa pelle? Il est pas là. Mais le problème c'est que j'ai peur d'enclencher quelque chose si je vais ici. D'accord. Donc je peux pas. Il faut que je résolve le problème ici.
Putain, mais il y en a un qui gêne là, qui est en plein milieu. Il y en a qui bosse là, tu vois pas? Gandalf. Non. Je voudrais qu'il fasse la courte échelle. Putain, je peux pas passer. Oh, il fait chier là le cheveu blanc là. Je veux Gandalf. Ce que je vois, c'est que ça va me faire encore un épisode interminable. Ça veut dire que je dois appuyer sur. Allez, voilà. Donc maintenant il faut un qui tire à l'arc. Non. Ah. Mais poussez-vous! Donc c'est Gandalf qui doit y aller. Je n'arrive pas à grimper là-haut.
Bon sang! Vous ne passerez jamais, bah oui. Oh, c'est l'enfer avec le clavier. Ah. B. Eh, mais... Ah, V, il me demande d'appuyer sur V là. Pas évident de trouver ce qu'il fallait faire. Bon, alors, encore une musique de supprimer, hein, normalement. Qu'une bande d'orques n'est pas là. Une bande d'orques. On peut soigner les créatures mythiques. L'autre avec sa pelle, c'est pas celui-là. Attends, ah, c'est un truc pour sauvegarder, ça normalement, non? Ouf, bon, c'est bon, un épisode d'une durée raisonnable. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'on se retrouvera la prochaine fois. Voilà, je vous remercie de l'avoir regardé. Merci, au revoir.